pour savoir en fait de vivre voir qu'est-ce qui se passait. Et bah, entre-temps, j'ai écouté les uns les autres et j'ai compris qu'ils avaient besoin de leur prime, leur salaire. Et cela a été fait. Par contre, d'après eux, ils disent que ça a été si c'est divisé par deux ou quoi que ce soit par rapport au service minimum. Et ce service-là, ce n'est pas le DG ni le DGA. Le service minimum, c'est le chef de l'État. C'est la République démocratique du Congo qui a dit limité par rapport à la Covid. Donc voilà, ils doivent savoir que ça, ce sont des instructions du chef de l'État. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, par rapport au cadeau qu'on donne à la fin de l'année, notamment le poulet de riz, tout ça là, ça a été donné. Ici, là où je suis, ils ont bénéficié de ça. Ils ont réussi, chacun, par rapport à sa responsabilité, ont dit réceptionner cela. Par contre, de l'autre côté, aux eaux, il y a eu des portes bloquées. Ils n'ont pas pu avoir ça, tout simplement parce que les gens qui devaient venir pour, donner ces fournitures, n'ont pas pu avoir l'accès dans le jardin. Donc voilà un peu la situation qui m'a poussé, n'est-ce pas, à venir ici pour pouvoir porter la solution. Et la solution, c'est celle-là. Qu'en est-il des revendications des agents qui mettent à mal votre comité? Qu'est-ce que vous devez répondre par rapport à ces accusations lues dans les calicots ce matin? Madame, ça peine que nous sommes arrivés. Nous sommes dans un état délié. Nous sommes en train de faire l'état délié. On ne sait c'est quoi l'état délié. Nous sommes en train de voir, de dépoussiérer, de voir ce qui s'est passé et ce qui est en train de se faire. Ils le voient et ils sont en train de voir. Le changement est là, madame. Ça fait un moment qu'ils ont, on dit, vivre ces situations-là qui ont perduré. Mais nous sommes venus et nous sommes en train de porter la solution. On ne dit pas que nous sommes solution. La seule personne qui peut dire ça, c'est le Dieu. C'est Dieu tout simplement qui donne la solution à tout le monde. Il va nous donner cette solution-là. Nous l'avons et nous allons l'amener, ces solutions-là. Dieu nous donne cette opportunité de pouvoir, n'est-ce pas? Il nous a donné l'opportunité, c'est ce que je voulais dire, de pouvoir gérer cette grande structure qui est l'ICTN, l'Institut Congolais pour la Conservation de la Nature. Un message à vos agents.